Malgré sa petite main, il arrive à peine de pied. Il saute, mais attends, mais c'est juste... Les gars, 10 dunks incroyables de Ja Morant dans l'histoire de la NBA. Les gars, la vidéo, elle va être pépitaresque. Là, je suis juste trop excité de vous présenter cette vidéo. On va voir un top 10 de ces dunks, tout simplement. D'habitude, je suis dans les vlogs. Je fais aussi des tutos. Et comme là, il n'y avait pas de vlog parce qu'on n'a pas eu match, je me suis dit, ça m'intéresserait, sachant que je vois beaucoup de vidéos de dunks en ce moment. Et ça m'excite. Ça m'excite. Alors du coup, je suis trop content de vous mettre ça. Et qu'on regarde tous ensemble. Voilà, je sais pas que je me gratte la tête, mais c'est pas grave. En fait, on est pareil, tu vois, t'es sur les réseaux sociaux et tu vois en ce moment des dunks de partout, des dunks de folie. C'est de pire en pire, quoi. Là, avant, il y avait déjà des dunks, c'était waouh. Mais là, c'est waouh, waouh, waouh. Là, du coup, à chaque fois que tu vois un dunk, enfin, je sais pas, on est tous pareils. Je me dis, ah ouais, punaise, prochain entraînement, faut que j'essaye de faire ça. Prochain match, ah ouais, imagine, je fais ça. Tu sais, je pars dans un délire, tu vois, dans un zion, tu vois. Donc là, je m'imagine des trucs, mais de folie. Et du coup, ça m'excite grave. Et du coup, je me suis dit, bah, à force de voir des vidéos comme ça, pourquoi pas faire une petite réaction avec vous, regarder ensemble et faire ce top 10. Je trouve ça assez amusant et surtout que il y a vraiment des dunks de folie dans cette vidéo et peut-être que tu en auras pas vu et que tu en as peut-être loupé certains. Alors c'est pour ça, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et déjà, si tu sais que ce genre de contenu, que ça soit tuto, vlog ou réaction comme ça, peut t'intéresser, oublie pas de lâcher un like ou de t'abonner. Mais ne t'abonne pas si déjà que tu sais que ça t'intéresse pas trop ce genre de truc. Moi, de base, que tu saches, j'aime les dunks. Hein. J'adore les dunks. Laisse tomber. Je suis matrixé par ça. Quand j'étais jeune, en fait, je regardais des vidéos sur YouTube, en fait, comme vous là. Et je kiffais. Il n'y avait pas de gars qui présentaient des trucs comme ça. Mais il y avait tout simplement des gens qui dunkaient Michael Jordan, des trucs comme ça. Et puis laisse tomber. Du coup, tu regardes, tu voyais ça. Quand t'étais gamin, tu revenais sur le terrain, tu voulais dunker, t'essayais de dunker. Bah, bien sûr, le panier, il était un peu trop là, coquelicot. Donc là, tu te disais, c'est mort. Mais il y avait les petits paniers sur le côté. Tu connais les petits paniers où tu dunkes avec tes potes. Tu dis, mais toi, juste en dessous, t'inquiète, on regarde un truc. Et bam, tu lui enchaînes un gros dunk sur la tête. Et ça, ça fait kiffer. Mais ça, tu connais, on est dans le même délire, je pense, tu vois. Et du coup, bah voilà, on est matrixé par tous ces trucs-là. Et ça fait plaisir. Et moi, voilà, pour que tu saches, j'adore ça. Et au jour d'aujourd'hui, bon, bah, je dunk. Voilà, je fais 1m86, j'ai 26 ans et je dunk. Voilà, ça, c'est important. Malgré tout ce que j'ai pu avoir au genou, je suis passé outre et du coup, c'est pour ça que j'en ai fait aussi des programmes que vous verrez, que je vous présenterai. Il y a les liens dans la description. On va pas en parler 20 ans parce que de toute façon, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais on sait jamais, ça peut intéresser certains. Il y a un petit jeu. Pendant cette vidéo, il y a un petit jeu. Ça, c'est mon top 10, mais c'est mon avis. C'est-à-dire que demain, je me lève, bah, ça se trouve, j'aurai un autre avis. Tu vas dire, ah non, peut-être celui-là, en fait, j'aurais peut-être dû le mettre. Tu vois, donc voilà, c'est pas moi, je te partage avec toi. Et puis toi, faut que tu me partages aussi ton top 1. Mets-moi en commentaire, juste en bas, le dunk qui t'a fait vibrer le plus. Ok, si ton top 1, c'est pas mon top 1, je veux le savoir. Voilà, donc sans plus attendre, les gars, on part sur les 10 dunks incroyables de Ja Morant dans l'histoire de la NBA. Et là, c'est du sérieux. Top 10. Donc là, on commence avec le 10e dunk que j'ai choisi. Il est vraiment juste pas mal parce que je me suis reconnu un petit peu dans celui-là. Voilà, donc là, regarde bien, le gars, il arrive et paf, il te sort un dunk, mais vraiment en pleine puissance. C'est-à-dire que là, il est en pleine course, il est avec un pied et ça, c'est rare de Ja Morant d'arriver. Donc avec un pied, il est plus sur du deux pieds et qu'on va voir juste après. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en top 10 parce que ça m'a vraiment fait kiffer de voir des dunks kiffer que des fois je fais. Les gars, sur mon top 9, on monte un petit peu en gamme, comme tu le sais. Et ici, on a tout simplement un alley-oop, mais d'une puissance pépitareste. Ah là, les gars, il prend le ballon. Il te prend le ballon en l'air. Et tu sais, c'est pas genre, il est au bout des doigts, il te la ramène, comme on a l'habitude de voir. Non, là, malgré sa taille, il arrive, il te la prend. Limite à part, un peu en arrière, il te la ramène. Mais d'une force qui me fait kiffer, en tout cas. Et je l'ai placé en 9e position. Ici, on est sur la 8e vidéo de Ja Morant, du coup, sur un match plutôt particulier. Donc là, il arrive et il la reçoit en l'air. Donc là, c'est sûr. Voilà, il la reçoit à une main. Le gars est capable, tu vas voir, de le faire à deux mains. Une main, n'importe quoi, sur du alley-oop. Voilà, le gars, il se permet tout. Donc là, bam, il te claque ça, t'as rien compris.
Sélection du 7ème dunk, c'est rare qu'on en voit. Et celui-là, je te garantis que j'arrive à le faire à l'échauffement. Mais par contre, en match, pas du tout. Je ne sais pas comment il fait. Voilà, je pense que là... Là, déjà, tu vois, je suis qu'à la 7ème top 7. Je suis déjà chaud d'aller travailler et m'améliorer encore plus. Donc là, regarde, il la reçoit. Et cette fois-ci, il te fait un petit moulin. Eh oui, dans l'excès, chef, il te fait un petit moulin. Voilà. Petit boulot, elle te fait de la farine. Ouais, bref, les gars, c'est juste énorme. C'est, franchement, non, c'est beau. Tu reçois moulin, bam, hop là, salut. Non, je suis impressionné. Enfin bref, faut pas trop que je m'emporte. En sixième position, les gars, il reçoit backdoor, bang, baseline. Il te met ça, tranquillou. Alors, je sais bien si t'as capté, mais c'est que pour l'instant, il n'y a personne qu'en dessous. Plus on va arriver, plus on va être dans mon kiff. C'est-à-dire des bons petits posters. Ça, c'est kiffant. La cinquième vidéo, on rentre un petit peu dans le sérieux. Là, attends. Là, on rentre dans le sérieux, chef. C'est-à-dire que là, les gars, là, il commence à avoir des gars en dessous qui font kiffer. Donc là, regarde bien, ça va commencer fort. Le mec, il arrive, il prend son ballon, il attaque. Le mec, il est en dessous, rien à faire. Ça y va. Donc, il savait déjà que quand il allait attaquer, qu'il allait avoir un gars en dessous. Donc là, c'était son coéquipier ou le gars. En gros, il s'en moque, il y va. Et c'est l'instinct d'animal, les gars. L'animal vivant. Quatrième position. Et là, on part sur un autre tout type de dunk et on se rapproche de ce que je kiffe encore plus. Malgré sa petite main, il arrive, appel de pied, il saute. Mais attends, mais c'est juste... Attends, il arrive. L'autre, là, le joueur, il met la main sur lui. Rien à foutre. D'accord, sauf qu'il est costaud, c'est-à-dire que c'est compliqué. Il arrive, appel de pied, il s'y attend pas, boum, il va pour le contrer. Et là. Non, là, c'est le dunk, quoi. Là, c'est... Là, ça, c'est beau, ça. Oh, là, c'est kiffant. Et après, tu tombes par terre, genre, waouh, j'ai dunké sur la tête. Bah, punaise. Ça me chauffe trop. Troisième position. Les gars, là, on commence à rentrer dans le top 3. Là, ça commence à être... Là, c'est le top 3, ça commence à faire frétiller les moustaches. Là, le top 3, les gars, voilà, là, c'est n'importe quoi, c'est de la dinguerie. Top 3, let's go. Là, j'appuie sur play. Là, on est sur quoi? On est sur du dunk. Le mec, qui saute. Mais gars... Ouachacha! Eh! Attends, non, attends, on va pas trop. Il en a rien à foutre, il saute. Mais attends, deux pieds, équilibré, paf! Il met tout le temps, et t'as vu, il met tout le temps sa main pour prendre un petit appui. Ah, c'est de la. Ah, il triche, en fait, il triche. Tu sais, le rageux qui veut pas accepter que. Voilà. Ouais, je dirais après ce qui rend impressionnant, je trouve. Donc là, top 2. Là, le top 2. On rentre dans le top 2, vif du sujet. Donc là, je l'ai mis en deuxième position et tu vas vite savoir pourquoi. Là, regarde bien, il arrive, il saute, appel de pied, deux mains, rien à faire. Là, rien à faire. Mais ça, c'est juste dingue. Ça, les gars, c'est... Attends, on va bien re-regarder. T'arrives, appel. Donc tu vois, il admet toujours son pied gauche engagé. Donc c'est celui-là, à mon avis, c'est son pied fort. Je pense que c'est son pied fort. Il arrive, transfert d'énergie. Wow, le mec, il a la zigounette au niveau du... capté. Et là, il te tape ça, la tête est presque à l'arceau, les gars. Presque à l'arceau. Et voilà. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Oh là là, vas-y, je suis chaud. Là, je vais aller à la salle, les gars, salle de sport. Je vais aller bosser encore plus. Punaise, là. Top 1. Oh, les gars, top 1. Je pense que celui-là, il y en a qui l'ont déjà vu. Moi, en tout cas, c'est mon top 1. Peut-être qu'il y en a d'autres, ça va être autre chose. Ok, n'oublie pas de mettre en commentaire juste après, d'ailleurs. Hein, ça, c'est important. Là, voilà ce que j'ai choisi. Gars, il arrive. Oh. Celui-là, ça me fait kiffer. Tu vois, celui-là, franchement, il me fait grave kiffer. T'arrives, en fait, le mec, il dépasse son défenseur. Déjà, il est à la rue, tu vois, en France, c'est genre, tu cries « Aide ! Aide ! » Oh, t'inquiète! Non, il n'y a pas de t'inquiète. Là, t'arrives, appel de pied, son pied gauche et son pied fort. Il arrive, il met sa main. C'est la triche. Et là, il arrive, la balle, elle est carrément. Toi, elle est dans la salle d'à côté, à la salle de réunion. Il te la ramène, mon chef, et bla! Bla! Non, là, les gars, là, c'est sérieux. Là, faut que j'aille bosser. Moi, j'adore le dunk. Je te garantis que je me suis dit... En fait, je kiffe parce qu'en fait, ça, c'est dans mon élément. En fait, à chaque fois, je vais améliorer mon dunk. Je l'ai amélioré énormément. J'ai aidé beaucoup de personnes aussi à améliorer son dunk. Voilà, avec des programmes. Donc, il y a des programmes gratuits. Puis, tu as des programmes aussi pour ceux qui veulent plus. D'accord. Donc, dans le programme gratuit, tu as des exercices. Enfin, bref, je vais pas tout expliquer. Hein, mais vraiment, je te laisse aller voir donc sur mon site internet pour ceux qui veulent dunker. Mais en tout cas,
cas, bah, voilà, que tu comprennes que ça, c'est, je kiffe ce genre de vidéo d'analyse, un peu de regarder. Et là, on voit clairement que Jamoran, bon, il a fait des dunks à un pied, mais plus sa particularité, c'est à deux pieds. Et je trouve que ça rend vraiment plus spectaculaire. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais franchement, c'est spectaculaire. Main droite, main gauche, il bosse. Là, ça a bossé, quoi. Le mec, c'est pas... Oui, alors, il y a la génétique, d'accord, mais il a bossé énormément. Donc, pendant l'été, je pense qu'il a suivi des programmes et autres. Voilà, donc ça, c'est important de te dire que derrière tout ça, c'est du boulot, ok, il est pas venu, il a pas apparu comme ça, le chef, et il te claque des dunks mystérieux à 1m92, non, NBA, non, donc dis-toi bien que tout est possible, hein. C'est le cas, j'espère que vous avez kiffé un petit peu ce concept, n'oubliez pas de me mettre en commentaire si votre top 1 à vous, et puis les gars, si vous avez une autre idée comme ça, ou par exemple, je sais pas, tu vois, avant, j'avais déjà fait l'histoire d'un joueur, et je vois que dans le foot, il y a l'histoire d'un joueur, avec Mathis, il y a l'histoire d'un joueur, et bon, tu vois, on n'a jamais trop envie de copier, mais peut-être aller chercher dans un autre registre, une autre idée, je sais pas trop dans quoi, mais voilà, aller chercher, parce que de toute façon c'est dans le contenu basket, et puis voilà, t'inquiète, on continue les tutos et les vlogs, ça tu peux être persuadé, restez bien connectés. En tout cas les gars, c'était les 10 dunks de folie les gars, et voilà, ça fait kiffer, là tellement que ça fait kiffer que là je vais à la salle de sport sans attendre, on y va. Allez Félix, on va mettre des gros dunks, ouais, parce que c'est important de mettre des gros dunks. C'était la chaîne de Deltaloid les gars, et on se rejoint pour la prochaine vidéo. Let's go.